n'est pas qualifié à son retour, si proche d'être tout à décerté ce soir. Écoutez, d'abord, on vient simplement d'annoncer les résultats qui sont les siens à Sablé. C'est un résultat qui est de 44%, qui est un très bon résultat, qui marque l'attachement qui est encore celui des Saboliennes et des Saboliens à François Fillon, eu égard au parcours qui a été le sien. Et puis, bien sûr, au plan national, c'est pour nous un moment de tristesse, de déception. Ce résultat n'est pas celui que nous espérions, pas celui que nous attendions. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Je ne vais pas rentrer dans. On ne va pas refaire le film ce soir de la campagne des primaires. C'est quelque chose dont on parlera sans doute. Il faut avoir ce moment où on garde pour soi cette tristesse, cette déception, où on revoit certaines images de la campagne. Je ne voudrais pas avoir de mots qui aillent au-delà de ma pensée ce soir, et donc je préfère me conserver pour moi. Peut-être une occasion d'en remporter plus tard, en tout cas de refaire le film qui était celui de la campagne, avec les événements que vous savez. Et cet appel au vote pour Emmanuel Macron ? Cet appel au vote, en tout cas, moi, à titre personnel, je vais l'indiquer. Je crois que personne à droite ou au centre, il ne peut, en tout cas aucune voix de la droite du centre ne doit pour moi se porter sur Marine Le Pen, parce que à la fois son programme économique conduirait à l'appauvrissement des Français, notamment des plus modestes, puis son programme conduirait à l'isolement profond de la France au plan international, au plan européen, et je suis bien placé comme député européen pour voir les positions qui sont prises par les élus du Front National au niveau du Parlement, et je suis moi européen. Je voterai à titre personnel pour Emmanuel Macron, même si je n'attends rien d'Emmanuel Macron, et si, comme beaucoup, je ne sais pas aujourd'hui avec quelle majorité il gouvernera. Donc ça sera un vote, j'allais dire, républicain. Et pour le reste, je pense que c'est à chacun, en fonction du parcours qui est le sien, de ses convictions, de ses idéaux, de choisir en conscience ce qui est le meilleur, ou en tout cas le plus acceptable pour le pays à l'occasion du second tour. Est-ce que vous savez sur ça, est-ce qu'on va toucher par cette campagne ? Et encore une fois, je garderai un certain nombre d'analyses pour moi. Nous sommes à chaud, nous venons d'annoncer les résultats à Sablé. Je pense qu'on aura le temps de revenir sur tous ces sujets plus longuement avant le deuxième tour et puis sans doute après. Vous avez François Fillon au téléphone ce soir ? Non, je ne l'ai pas vu ce soir, je l'ai vu ça. François Fillon va rester un justiciable ordinaire, ça veut dire pour les affaires. Écoutez, je pense que c'est pas le moment de parler de ça. Je sais bien que le sujet vous passionne, vous êtes un certain nombre à avoir beaucoup parlé pour les dernières semaines. Donc moi, je ne fais aucun commentaire, aucune déclaration sur ces sujets ce soir. Et sinon, sur le parti, ça va donner. Écoutez, ce qui est certain, en tout cas pour le parti, c'est qu'il y a des élections législatives qui vont arriver très vite maintenant. Que notre but, c'est de rester unis, en tout cas que les Républicains soient unis pour conduire cette bataille législative, qui sera une bataille importante face à Emmanuel Macron, dont on ne sait pas aujourd'hui où va se situer sa majorité, comment elle va se construire, quels seront les candidats, est-ce qu'ils seront investis par En Marche, est-ce qu'ils seront investis par le Parti Socialiste. D'une certaine manière, sur ce plan-là, le vote d'Emmanuel Macron, c'est d'une certaine manière un saut dans le vide, on ne sait pas exactement où il va. Donc face à cela, le rôle et l'enjeu pour les Républicains, c'est d'être unis pour mener bataille avec des candidats qui sont investis et d'obtenir le plus grand nombre de députés possible à l'occasion de cette élection. Derrière qui ? Tout ça, il y a un bureau politique qui se réunit demain, les instances dans les jours qui viennent. En tout cas, les candidats sont investis. Ils ont déjà, et c'est vrai, on s'est commencé à préparer le terrain, à travailler, à faire campagne. Les choses vont se décanter et continuer dans les jours qui viennent. C'est un coup sur la cafetière que vous prenez ce soir pour prendre les mains ? Non, c'est une déception. Il faut faire attention aux mots que nous avons dit. C'est une déception, c'est de la tristesse, c'est même une certaine forme de douleur. Et je ne vais pas encore une fois retracer ou refaire le film de la campagne. Pour revenir à cette question, est-ce que vous êtes déçu de la participation ? Elle est plutôt faible, sinon ? Déçu de la participation, non. Je crois que la participation, je n'ai plus le chiffre en tête de manière exacte. 78% à Sablé. Non, j'en regarderai les choses en détail, mais ce n'est pas le point qui me semble crucial